D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le petit clan. Donc la petite guerre qui vient de commencer. Par contre, il y en a plein qui ont quitté, enfin plein, il y en a quelques-uns qui ont quitté le clan. Donc si vous voulez, il y a des places, il y a 9 places. Pour l'instant, je suis premier à 5530 trouvés. Ouais, j'ai un petit peu rushé. On a quelques coffres à ouvrir dans cette vidéo, on a deux coffres. On va juste ouvrir ça, récupérer les récompenses, roquette, rien d'autre. Vas-y, voilà, 300 d'or. Message, ok. Les gemmes, là, on va récupérer 100 gemmes. On va récupérer un coffre magique aussi, c'est parti. On a 1500 d'or, fripon, gobelin. Ok. Oh, pas de légendaire. Deux épiques, ok. Après, on a quoi? Après, on aura de l'or à 5700. Donc là, j'ouvre rapidement là, ce petit coffre. Et on va demander des cartes peut-être. Ouais, gargouilles. J'ai même pas. Ah non, c'est les trois gargouilles. Bref, on va attaquer dans le clan, si c'est possible. Combattre, allez. C'est parti, donc on a un deck prédéfini apparemment. Si j'ai vu. Enfin, si j'ai lu assez rapidement. Ouais, un deck prédéfini par le jeu apparemment. Donc là, on est dans la phase de. Du début de la guerre où on doit récupérer un maximum de cartes. Et un maximum de points aussi. Pour la guerre, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Nickel. Petit barbare. Donc toutes les troupes sont au niveau 9, vu que la tour du roi est niveau 9. Ok. Un petit gargouille pour aider un petit peu. J'ai pas de très bonne troupe, tant que ça va en fait. J'ai quand même le molosse et le ballon. Il y a moyen de faire quelque chose avec le molosse et le ballon. On va voir ça, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va remettre. Pourquoi que on va mettre directement le molosse, allez. Molosse ballon, normalement, ça marche bien. Après bien sûr, faut défendre. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de soucis, ça marche très bien. Donc là, par contre, je mets le petit gargouille, je prépare le ballon. Et je perds ma tour. J'aurais pu mettre effectivement l'électrocution. Mais... ah, dommage. Bon, je vais avoir la tour en face. Mais c'est vrai que j'aurais pu défendre un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. 0. Enfin, un partout. Un partout pour l'instant. On fait un petit peu de dégâts avec le ballon sur la tour centrale, la tour du roi. Donc c'est parfait, écoutez. On descend la tour à 2800. Il reste une minute. Et on va faire pareil à droite, écoutez. Hop là. Donc le molosse est lancé. On prépare. Ah tiens, il a une troupe qu'il n'a pas lancée là. Donc il va pas trop. Si, un petit peu, ça va un petit peu me gêner, mais pas tant que ça. Je garde la boule de feu. Au cas où, parce qu'il va mettre des gobelins, je pense. Donc ça, c'est pas mal pour... Bon, quoique... Quoique, on se sort bien directement comme ça. Bon, j'aurais pu mettre le ballon à la place, plutôt. Parce que là, le ballon aurait fait des dégâts, alors que là, il n'y a pas trop de dégâts sur la tour. Mais bon, ça reste... Enfin, ouais, quoique... Quoique, je vais mettre le molosse ici... Petit gargouille ici. Petite pierre tombale. Parce que là, c'est serré en fait. C'est serré. Là, je joue tranquillement, mais en fait, c'est un petit peu serré. Donc, on va essayer de mettre barbare ballon, je pense. Parce que là, au vu des cartes, ouais, barbare ballon, c'est parti. On prépare une petite boule de feu peut-être. Bon, c'est bon, on a... Oh! C'est bon, on a gagné. Donc voilà, deux couronnes. Et on va gagner donc un peu de cartes. Donc voilà, un petit coffre de clan. On va récupérer un peu de cartes. Oh, un petit molosse, tiens. Ça, c'est cool. Bon, là, c'est en live, voilà. Ça, c'est cool. Ensuite, non, je voulais pas regarder en direct. Je voulais juste attaquer, en fait. On va faire celui-là, tiens. Allez, deuxième attaque.
Et donc ouais, j'ai quelques coffres. Ouais, j'ai deux coffres à ouvrir au moins, au minimum. Donc là, on va prendre de l'égoblin plutôt. Un bûcheron. Valkyrie, là, je pense. Parce que le chevalier. Et là, je dirais plutôt le mineur. Oh tiens, j'ai la roquette. Bon, par contre, si j'ai la roquette, ça veut dire qu'en face, il a soit. Enfin, lui, il doit avoir une bonne carte. S'il me donnait la roquette, il doit avoir une très bonne carte en face. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Bon, voilà, enfin, un petit peu de dégâts, parce que là, j'ai rien pour tuer la princesse, donc je me suis dit, bon, écoute, on va plutôt lancer la roquette. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour l'instant, ça va. Ok, bon. Ah, j'ai un petit. J'ai quelqu'un qui regarde là du clan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bûcheron mineur. C'est assez facile ça comme technique, mais bon, je me dis c'est ce que ça peut passer. Enfin, ça peut peut-être repasser, donc écoutez, j'en profite et on descend quand même la tour à 446 points de vie. Hop. Par contre, là, l'électro-sorcier va prendre, ouais, voilà. Sa durée de vie, c'était 2 secondes. C'était 2 secondes et je crois que je vais perdre la tour. Ou en tout cas, pas loin. En tout cas, pas loin, ouais, je perds la tour là. Ok. La princesse n'est même pas morte. Ouais, il y a deux qui regardent, deux du clan qui regardent. Ouais, il pleure, il pleure. Mais bon, je pense que normalement ça le fait. Normalement, il n'y a pas de soucis, je devrais. Hop. Voilà. Alors là, hop là, ouais, ici. Oh la Valkyrie, parfait. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que vu que j'ai donné l'armée de squelette à l'adversaire, je me suis dit, on va plutôt tenter la Valkyrie. Et écoutez, ça marche bien. Donc là, le mineur. Je vais. Ouais, un petit peu de dégâts quand même avec le bûcheron. Enfin, avec le mineur, mais. Le bûcheron qui est mort, du coup, mais. Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que la princesse me gêne un petit peu. Me gêne vraiment pas mal en fait. Ouais. Pour défendre, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Cette game, c'est très chaud. J'essaie de me concentrer en fait, parce que là, c'est vrai que c'est la ta princesse qui a vraiment pas beaucoup de points de vie. Ça m'embête pas mal là. Nickel. Aïe, ouais, tu peux dire aïe, parce que là on fait pas mal de dégâts là. Et on a la tour, parfait. C'était serré là, quand même 600 points de vie là, c'était quand même serré, mais on a réussi. Donc voilà, un peu d'or et des cartes. Ok, un petit PK, ça c'est cool.
Donc dernière attaque, attendez, est-ce que les autres ils ont réussi plus ou moins? Ouais, ils ont pas trop réussi, bon pour l'instant avec 6 participants. Donc la dernière c'est parti, donc là on a 3 minutes, même pas, on est direct à mort subite, donc si enfin, le premier qui perd sa tour, perd. Par contre il est niveau 10. Donc normalement, pas trop de soucis. Normalement. Alors là on va mettre, oh ok, on va mettre canon. Ouais, oh là là, oh là là. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas ouf. On va mettre le géant. Ah, j'ai mis le géant beaucoup trop près. Je prépare les flèches là. Parce que mon géant ballon, normalement. Il devrait pas avoir trop de soucis pour le ballon là, qui va faire pas mal de dégâts. Hop. Ouais, non, le princesse même. Oh. Mais voilà, parfait. Le ballon a eu la tour. Donc voilà, mon vraiment ballon niveau 13, c'est vraiment top. Donc voilà, il a eu la tour tout seul. Et donc je récupère des cartes légendaires. Non, même pas légendaires. J'ai cru. Ok. Bah écoutez, j'ai récupéré le maximum de cartes. 510 cartes. Je crois qu'on peut pas faire mieux. J'ai récupéré plus de 1 tiers pour l'instant des cartes totales. Du clan. Donc on va récupérer les. Là j'ai un coffre magique aussi. Donc là on peut ouvrir 3 coffres. Écoutez, on va ouvrir. Non 2. Non 3, c'est bien ça. Donc là je vais assez vite. Oh épique. 13 séismes. Ok. Le prochain, 19. Tornade. Et 12 gobelins à Samacane. Et le 20ème. Je vais assez vite, mais bon, c'est des petits. Enfin on n'a pas de légendaire, donc je vais assez vite. Voilà le petit coffre et le petit coffre magique, on termine sur ça, donc on a 1500 d'or, on a 17 fripons, 3 gages gobelins, 7 extracteurs, 49 gangs de gobelins, 9 pierres tombales, 3 bolistes et 6 bourreaux. Ok, ben voilà, c'est en train d'attaquer en tout cas dans le clan. Donc voilà, ben en tout cas on a fait un petit peu le tour, je suis à 5530 trophées pour l'instant, je suis premier du clan, mais bon, je peux mieux faire je pense, on va essayer de monter un trophée au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, et ciao ciao.